Ok les amis, il est temps de rendre les quêtes, c'est Marcus Belus dans la Playroom comme d'habitude, vous le savez, j'espère que vous allez bien. On va rendre les quêtes qu'on a fait dans le précédent épisode, vous savez, l'épisode où on a fait l'espèce de mission secondaire, mais on va aussi faire la quête de scooter qui était dans le coin. Pardon, je voulais pas tirer, j'ai vraiment une souris qui est ultra sensible cette Logitech. Avis aux bandits de Sanctuary. Oui, bonjour. Un chasseur de l'arche a posé ses valises chez vous. Tu te répéterais pas et je vous récompenserai. J'arrive pas à croire. Vous inquiétez pas, personne va vous dénoncer. Vous êtes notre seul espoir contre Jack. Non. Chasseur de l'arche, quel plaisir. Ah, Merlock, quel plaisir de te revoir aussi. Que vous avez flanqué une dérouillée à ce malotru de Capitaine Flint, j'ai enfin pu quitter South on Self pour continuer mon almanach. Mais cela vous non, mais je l'ai déjà fait. Prêter main forte. Oui, encore plus puissant en fusil à pompe. 35 x 15! Waouh! 35 x 15! Waouh! Alors? Ouh! Ouh! C'est parti! On a un Maliwan en. On a un Maliwan en. Mais 92, 128! Juste le pognon qui compte! Très bien. Ok. Ah oui, c'est des trucs que j'avais déjà récupérés. De secours au cas où il disparaîtrait. C'est pour ça qu'on a toutes ces cellules énergétiques. D'accord. Mais c'est bête, il voulait vraiment te rencontrer. Les pillards ont besoin de 109 pour tenir le coup. Et vu comment t'as désingué ces bandits, je dirais que t'entretiens une relation privilégiée avec le sang. Comme deux cousins qui prendraient un bain ensemble. Non? Non, de préférence? Non. Qu'est-ce que tu veux? J'offre cette cellule de merde en bonus. Je vais zapper. J'ai deux doigts qui sont tombés. Mais j'accepte que l'iridium, hein. Le liquide, c'est pour les tocards. Je croyais qu'il y avait encore les quêtes. J'avais oublié que c'était lui qui vendait l'optimisation de stockage. Je me rappelais que c'était lui pour les munitions. Et pour l'optimisation de stockage, j'avais complètement zappé. Très bien. Une dose de propagande, une. C'est l'heure de votre rendez-vous, les dernières nouvelles de Hunter Elquist. Hunter Elquist. J'avais complètement zappé lui aussi. Le Sanctuary était un ancien vaisseau minier. Ouais, bon. Bah tu viens de m'aider à redémarrer ces moteurs. Tiens-toi bien, mon coco joli. Parce que je vais la faire voler, cette ville. C'est parti. Opa. Punaise, faut vraiment qu'on retrouve Roland. Tu sais quoi? Tu devrais aller chez lui. Il a peut-être laissé un message pour toi. Ouais, on vole toujours pas. Chasseur de l'arche, par ici. Roland vous a laissé un message. Oh. Chasseur de l'arche, quoi de neuf? Génial. J'adore quand ça se goupille comme ça. Danis, bonjour. Wouh. Ah. Soldat, si tu entends ce message, c'est que j'ai des ennuis. Je t'écoute. En ce moment, tu es la seule personne qui puisse se dresser entre cette ville. Enfin... la planète entière et l'armée du beau Jack. Je t'ai laissé des infos dans mon coffre-fort. Tu peux y ranger ce que tu veux. C'est chez toi maintenant. Bon. Ah, Merky. Denis. C'est pas son coffre. D'accord, ok. Merci, Denis. Denis, il y a des trucs bizarres chez toi, Denis. Merde. Ça, c'est son coffre. Ah oui, ça ressemble à un coffre. Je confirme. Wouh. Le faucon ardent? Genre le pire chasseur de primes tueur de masse? Oh merde! Si le faucon ardent l'a chopé, Roland est très très mal! Fonce à Frostburn Canyon et sauve-le! Bon. Si Roland est prisonnier du faucon ardent, il court un grand danger. Il n'y a que toi qui puisse arrêter Jack. Mais c'est Roland le cerveau de l'opération. Enfin, façon de parler. C'est lui qui connaît les points faibles d'Hyperion. D'accord. Je l'attrape! Une quête pour toi, Spire! Oh, je prends la quête! Par ici! Quête acceptée! T'ordonne de venir. Quoi? Tu m'as aidé à atteindre Sanctuary! Oui! Et pour ça, tu as bien mérité une récompense! J'ai une cache secrète située très très loin d'où je me tiens actuellement. Pour la trouver, tu devras relever des défis plus tordus les uns que les autres. D'abord, collecter quelques roches marines. Puis, vaincre Skag brutal. Puis, trouver le butin perdu de Mantchuler.
puis me rapporter la tête du destructeur des mondes. Et enfin, tu devras danser pour mon petit plaisir. Zut! On dirait que l'emplacement de ma super cache vient de s'écrouler et tout le monde peut la voir. Bon, félicitations! Tu as relevé mes défis minutieusement arrangés. Va donc jeter un coup d'œil dans cette cache. Même si tu n'as pas satisfait à toutes mes requêtes, j'ai décidé de te laisser utiliser cette cache afin que mes sbires puissent mettre en commun leur armement. Enfin, les sbires que tu contrôles. Bon, en fait, c'est pour échanger des objets entre tes personnages, voilà. J'ai faim! Le quatrième mur est mort. Je veux bouffer tes bébés! Je vais être franc, ça va piquer. Je veux bouffer tes bébés! J'avais pas oublié celle-là. Oh, par contre, les polygones sous le cou, c'était moche. Je sais pas si tu les as toujours, mais ouais, tu les as toujours, et c'est assez laid. Il vous faut du fric et moi... Va cesser de brutasserie! Hé, hey, les gars de Roland ont chopé une vermine d'Hyperion en train de s'introduire dans la ville. On dirait qu'ils m'ont amoché les poumons. Il faut l'opérer de toute urgence. Rejoignez-moi. J'ai besoin d'un assistant. Mais je suis là. Alors, faites une courte incision juste sous le sternum. Mais attention, ne touchez surtout pas l'artère coronaire. C'était juste. Un éclat d'iridium. Et ouais. Mais combien de fois je vais devoir le répéter? Ce truc ne transmet pas ses pouvoirs en l'avalant. Oui, c'est en le donnant à Earl. Cet éclat n'a aucune valeur là-bas. Sur le marché noir tant qu'on ne l'aura pas raffiné. Vous pourriez le montrer à cette Tanis à l'autre bout de la ville. L'iridium, c'est son rayon. Même si elle se vante un peu trop d'avoir un vrai doctorat. Faites-moi signe si vous voulez du boulot. J'ai plein de trucs à faire. Ça tombe bien. Moi, j'ai du temps pour les faire. Dieu m'est témoin. Un jour, je trouverai une rate. Je voulais dire, Roland, Jack a la clé de l'arche et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'ouvre. Et puis, je veux un nouveau ventilateur. Le labo sent le bacon. Le bacon, c'est pour les délateurs et les rejetons incestueux. What the fuck? L'état. Bref, Tanis. Après des heures de cauchemars scientifiques, comme on en voit qu'au cinéma Tanis. Ou dans mon lit... C'est une proposition. Ah. J'ai compris que Jack, la clé de l'arche et l'iridium étaient intimement liés. Je suis un robot, donc techniquement, il va falloir que tu me précises les dimensions de l'objet de ton désir. Voilà. Revenez dès que vous que je puisse aller récupérer quelques pièces sur Claptrap. Au fait, j'espère que vous avez fait votre rappel tétanos. Non, j'ai oublié de le faire, le rappel tétanos. Tu veux bien me... En fait, on va l'oublier. Alors, juste, j'y pense, mais avec le nouveau DLC qui est sorti, normalement, il y a d'autres têtes qui sont arrivées. Il y a une station de personnalisation. Tu peux t'en servir pour changer d'apparence et réinitialiser tes points de compétences. Bah, apparemment, il n'y a pas de nouvelles têtes. Donc, je suis assez déçu. Vous savez ce qui fait un trou de balle et qui n'est pas une balle? Moi, non. Aucune idée. N'empêche, j'ai vu des plaies bizarres qui venaient de Freehorns. Alors, si vous pouviez faire un saut là-bas pour voir quel genre d'arme provoque ce genre de blessure. Paraît que c'est un type du nom de Doc Mercy qui fait ça. Un ancien rival. Faites gaffe à lui. Il est plus du genre à ouvrir des plaies qu'à les suturer. Et contrairement à moi, il a son diplôme. Alors, je tiens à préciser qu'il existe des jeux en 2019, des jeux d'automobile par exemple, qui ne sont pas fichus d'animer des rétroviseurs. Alors que là, on a un viseur 100% animé, les amis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Et tire les deux coups. Ouh, il est efficace ce pompe. Bonjour. Apparemment, il y aurait une quête ici. Qui me suit? Ah, oh, les balles sont explosives. C'est des darts. Ah, j'avais oublié le détail. Ah, ça me plaît. Piou piou piou. En plus. Ah. Auto job. Message enregistré. Ah, laisse en pitié, nous font la peau. Ah. Fin du message enregistré. T'as trouvé le motel à Pipig? Ouais, les sans-pitié ont ravagé cet endroit après que Roland les a virés de Sanctuary.
Tu pourras peut-être rétablir l'alimentation si tu réactives la pompe à vapeur. Réactiver la pompe à vapeur. C'est parti. Est-ce que ça marche? Quoi encore? La pompe à vapeur est en rade elle aussi? Oui. Je vois d'où ça vient. Et je vais y aller doucement pour que tu fiches bien. Je me lance? Elle est complètement déglinguée. Merde. Tu ferais mieux d'aller piocher des pièces de rechange sur les autres pompes près du motel. Ah bon? Parce que moi j'étais déjà en train de monter. Oh, je vois que ça brille. Et les dégâts de chute? Non. Bonne. Y'a les chiens de skag qui ont touché à notre pompe! Trouvez-leur la pompe! Ah, t'as le bidule à vapeur? Cool! Avant, ces pompes utilisaient une technologie différente, mais y'a eu des plaintes, alors ils ont changé. Hé! Hey par contre, c'est. Ah oui, c'est des. D'accord, ce sont des projectiles. Par contre, t'as que 3 balles, c'est pas. C'est pas au petit, hein. Il est pas mal, hein, c'est fun. C'est fun à utiliser. Ouvre le boîtier électrique et prends le bidule. C'est assez fun. Je trouve ça. Franchement, assez fun à utiliser. Ça change. Presque, ça a presque un petit côté arbalète, vous voyez. Oh, voilà. Coucou. Non, non. On dirait que les skags ont pouleté le condensateur des pompes. Non, mais non, je veux pas récupérer un truc dans la merde. S'il te plaît, je veux pas défourailler un truc. Je veux pas défourailler du skag pour récupérer quelque chose dans leur caca. Oh. Voilà, c'est moi qui vais être leur digestif, mais oh, du bol. Bah voilà, c'est le condensateur dont j'avais besoin. Eh, hey, question bonus, tu trouves ça bizarre que je sache le moment exact où tu ramasses un truc? Je peux te voir au WC? Attends, je veux pas te mettre mal à l'aise, hein. Je te parle d'espionnage au WC en toute amitié. Ouais, enfin bref, branche-moi tout ce bazar. Couché. C'est les pires, les vomissants. Hein. Ils fuient quand tu t'approches et tout. C'est... Ok, c'est bon. Problème résolu. Ok, parfait. Et voici le dernier bout. Il est dans de la glace, carrément. Ces fichus garogons adorent se loger dans les pompes. Tu ferais mieux d'exterminer celui-là mais... pour récupérer l'élément dont t'as besoin. Ah oui, d'accord. Mais j'avais pas vu. Autant pour moi. Boom, bitch! Ah, t'as trouvé le boîtier de vitesse? Je te jure, ces machins-là, c'est le rugissement félin des contrées sauvages. C'est une expression du coin. Ah bon? Va le connecter au reste. Ouais, ouais, parce que le rugissement félin des contrées sauvages, je ne connais pas. Ah, on dirait que t'as tout ce qu'il faut pour réparer cette pompe à vapeur. Ouais, hein? Vitonio. Et le tableau des primes sera aussi remonté à bloc qu'un athlète olympique dopé dont les parents ont des attentes irréalistes. Oh putain! Oh le respect est mort! Mais bon. Il y a peut-être du vrai, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Fonctionné. Active-la et fais jaillir les étincelles! Oh, oh là, mes étincelles ont jailli. D'un blanc immaculé. Le tableau des primes devrait. Hé hey, toi! Mais sans pitié, on mutilait mon dernier facteur, Dino! Je te paierai si tu livres ces paquets assez vite! Quand tu seras ok pour effectuer la livraison, prends le paquet. J'ai pris les paquets. J'ai complètement zappé ce genre de mission chronométrée. Temps de pluie, de neige ou de skag. Excuse-moi, je suis pressé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, kit de Fédération ? C'est là ! Ok, ça fait 3. Je gagne du temps à chaque fois que j'en mets une !
Je m'en rappelle des musiques. Bien. C'est livré. Malheureusement, tu es viré parce que Dino est remis sur pied et reprend le boulot. C'est pas vrai. Vous avez juste scotché mes jambes à ces bâtons sauteurs. Il est en pleine forme. J'ai posté tes indemnités de licenciement. Merci. Ok, il semblerait qu'il faut que j'aille dans cette caverne. C'est parti. Ça c'est plutôt... plutôt joli, dirons-nous. Par pur respect. Ah! Ils sont pas chiants du tout ces kamikazes. Je pensais pas l'avoir. Ok, je vais remourir à cause des flammes sans doute. Oh mais lol. Le mec il c'est McFly, il danse. Ok, très bien. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que t'as trouvé ce qui a perforé toute ma clientèle. Rends-moi service. Alors, monsieur Miséricorde, à quoi il vous sert votre diplôme de médecine maintenant? Lui aussi il est infarmé, j'avais complètement zappé qu'il s'appelait Docteur Miséricorde. Lui aussi il balance des... Il balance de... du légendaire ultra pété. Complètement zappé ce détail. Pourquoi j'ai le téléphone qui vibre? Il va me falloir beaucoup plus de victimes. Maintenant que vous avez récupéré 18h heure française pour actualité Pokémon. Testez-le sur les bandits du coin. Salut. Ça marche. Aïe. C'est pour moi. J'aurais dû tuer l'autre. Ah. Voilà. T'es rigolo, équiper l'arme de la mission, mais j'ai que 18 balles dedans. Je sais pas si ça a compté. J'envoie de la haine. Ah. Voilà, un de plus. Après cet écho que j'ai pris sur l'un de mes patients, on dirait que les armuriers sous licence Kintec sont tous passés par le biais d'Hyperion pour leurs armes expérimentales. Ça explique comment Hyperion s'est enrichi grâce à l'iridium après l'ouverture de l'arche. Bon, rendons la quête du facteur. 156. Bon, allons voir si ça pop. Ça pop! Très bien. Ça en fait deux. J'ai essayé. Ok. Très bien. Il m'en reste encore 3 à buter. Ah, très bien, d'autres ennemis. C'est... Je vous cherche les mecs. Ok. Ah, attends deux secondes, j'en ai pour une heure à recharger. Ça me semble logique dit comme ça, mais... Ok. J'ai bien observé vos tirs effectués sur les bandits à l'aide d'armes Litech. Ma conclusion, notre docteur, Litech, ça déchire grave. Merci. Venez me voir quand vous aurez le temps. En fait, c'est moi qui déchire grave, mais... Écoute. Z, c'est bon. Ouvre. Voilà, merci. C'est bon. C'est bon, je me suis occupé de l'arme. Oh, ouais. Ouh, encore une arme d'art. Ah, mais dégâts CAC 50. Ah, ouais. J'étais plus ou moins au courant, je confirme, effectivement, que c'était pas tout à fait ça. Très bien. Bah écoutez les amis, on se laisse là pour cet épisode, moi j'essaie de monter tout ça, et je vous retrouve dans le prochain. Salut les gens, et yop.